de l'entreprise Holog SARL. Nous sommes ici dans le territoire de Chilengue, précisément dans, à côté du lac Lomba. Voilà, nous avons fait un puits de 100 mètres ici. Ici se trouve une pompe immergée qui va alimenter un citerne dont vous verrez les images juste après. La pompe ici est alimentée par les panneaux solaires qui va remplir les réservoirs et afin de distribuer dans différentes bornes fontaines que nous avons construites. Voilà. Là-bas. Nous nous retrouvons devant le réservoir qui va alimenter le village en eau potable. Voilà. Tel que présenté auparavant, nous avons montré le puits et là nous sommes au niveau du réservoir. Les panneaux solaires se trouvant au-dessus alimentent la pompe immergée en dessous dans le puits. Ah. Et ensuite, quand la pompe reçoit l'énergie solaire, elle envoie de l'eau dans le citerne. Et le citerne, après, va envoyer dans les différentes bornes fontaines. De ce fait aussi, nous tenons à manifester nos remerciements à notre partenaire qui est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, aussi à la maison civile du chef de l'État, et nous-mêmes les exécutants Holog SARL. Voilà, le réservoir est de 15 mètres cubes. Le panneau, c'est des panneaux de 420 watts chacun et on en dispose 8 pour alimenter la pompe immergée. Voilà. Et l'étape suivante maintenant? Et l'étape suivante, ça sera lors de essais, je peux dire les derniers essais qui serviront à servir toute la population, enfin pas toute, une partie de la population. Merci à vous.
et Bornefontaine. Ça, c'est la quantième borne? C'est la première borne. Au total, combien? 5 bornes. Et à chaque borne, combien de robinets? 2 robinets. On peut les voir? Le premier robinet, le voilà. Voilà. Et le second, il est là. Voilà. Voilà. Si vous constatez que les robinets sont scotchés, c'est parce qu'on a constaté quelques actes de vandalisme. Ah bon? Voilà, on a essayé un peu de couper des robinets. C'est comme ça qu'on a essayé de les scotcher pour qu'ils soient hors usage. Le vandalisme qui vient d'où? Bon, jusque-là, on n'arrive pas à bien identifier ceux-là qui font ça. Mais a priori, ce sont des gens qui se trouvent dans les villages. Les inciviques. Voilà. Appartient au chef du village de prendre toutes les dispositions. Merci beaucoup, ingénieur. Merci à vous aussi. Ah oui. Le nom, c'est encore? Ingénieur Ted Ilunga. Vous êtes ici dans quel cadre? Nous sommes ici dans le cadre de, d'un réseau d'addiction d'eau potable. Mmh. Oui, financé par l'église de Saint de Dernier Jour. Mmh. Et en collaboration avec la maison civile du chef de l'État, avec qui nous collaborons bien sûr chaque fois que nous sommes ici. Nous sommes l'entreprise Olog SARL. Et là, c'est la deuxième phase de notre projet, dont le premier a été installé à Tchaba. Voilà. Ndi chef wa village wa Mulumba Malap. Dina Dani, Ndimbo Yimulaja, Simo, Diabukalanga, Diabujo, Kester. Nimana Mabeu, Nimfum Wany Mem Wakan. Duku Dabakaji Dani Weu. Ki chefu, Udimutiman in a bones, Bumundi Chijimanam ticket. Akumana de Chenda Chukondo, Yak Wamping and Mungwasa, Wund Miman and Dumbululeo. Dintambakusaki de la Banfum bones. Bibamba lubions, bidibituele la meji, wakutunisha mai mimbu. Kadimai ya kumpa la wabenza, avoni lutatu, lwa moteri. Wabene musoku, wakuswa, wakukeba mshindo watetu kwele mai, biyamu mumu moteri, mafuta moteri. Bibita sibiko la pindi, ndi ntamba kusa kijeda president Fati. Kumu dimana kuturongolwe la mai, ababandishu kudumunye kupano. Musoku wanyonsu mujima, udini disanga. Ujumu sakijiromi ni mulofu maweja nangila. Diba katangi ni tishoko tandia mosha nsesa. Amuvudi jile lunga njini meji. Amuhesha bantu babu jitu. Diwa tetu kulombola na jitu nga ditu. Dia kongu. Tetu yodi kuyari kumpali. Jitu di tutamba kusakijile mfumu wa ditu nga. Ni bami na mpale minda bababalo kutuelele mironda munemu. Bababalo kuele maji. Turu wa kumpali. Bobu kwenza esei. Tutu ki mlondo wa kumpala, mayi kumata, pi mlondo mwibidi, mayi kumata, mayi mlondo mwisatu, mayi kafa mwata tu. Tutu ki mlondo mwinayi, memema, pindi kipo kwa mbeni, kechichidie seyi, kutu dibanji kuhidikisha bwane, tumwana bwane pano, hidi tumamayi bi mpanya shikabiene bi kumbani. Bobo kuye pindi turu mwibidi, bobo kuenda kulongolo tule malema tuto, ni marguza pindi yo. Banda ya bwane. Eji tu tuani kwenye mbwa kwa nchikumana mbwa, mbwendo la mali ujibishi. Netu iya ni komite yon sumujima wanfumwa ditunga, badiku uneniko... Kumezon civil. Kumezon civil wetu wambujimai. Na haba fika mwabebu wakulukumu wanapindi ni kufila kwa chike mwini. Bamwina ntanda, babanga kuna mai. Kichituka tetu bingi la mwabebu wanda. Chike mwini hatusangishi. Mumalonsu, hatulibalumbu la mwabebu wa. Wa kujimwena jina ngani? To wewe umwena chef. Ah mema ndimbu imuracha Simon. Wow. Okay. Merci wa bon. Yo. Voilà. Photo ou vidéo? Une photo. Voilà. Voilà, ici nous nous situons à la troisième borne fontaine. Et ce que nous voulons aussi expliquer par ces projets, c'est que
nous visons à travers ces projets la réduction des maladies hydriques dans cette population. Son impact. On peut la refaire pour eux, pourquoi on refait. Voilà. 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 L'église au sein de dernier jour, ainsi que nous, leurs partenaires Log SARL, tout ce que nous souhaitons à travers ce projet est de réduire les maladies d'ordre hydrique, réduire la distance parcourue par les jeunes filles et les mamans pour la recherche de l'eau potable, afin que ces jeunes filles puissent aller à l'école sans avoir la fatigue qui provient de la distance parcourue à la recherche de l'eau. Par rapport aux maladies hydriques, nous parlons par exemple du choléra, nous parlons de la fièvre typhoïde. À travers ce projet, nous visons à réduire toutes ces maladies à travers la population de cette contrée. Difficultés rencontrées? Les difficultés que nous avons rencontrées lors de l'exécution, c'est par rapport à l'enclavement de cette ville, par rapport à l'approvisionnement, par exemple. Nous avons eu du mal à nous approvisionner en matériel, faute de l'enclavement. Et deux, lors de l'exécution, nous avons constaté qu'avant la fin des exécutions des travaux, il y a eu quelques actes de vandalisme, dont les coupures de tuyaux à coups de machette et la destruction des robinets. C'est ce que nous avons rencontré comme difficulté. Mais à part ça, les travaux ont été exécutés dans une belle ambiance de travail avec les chefs respectifs de certains villages de ce contrée. Et tout a été bien fait et nous avons bien réalisé notre ouvrage. Vous avez parlé de l'incivisme. Quand vous en avez fait part au chef, quelle a été sa réaction? Sa réaction a été la suivante. Il avait refusé à ce qu'il puisse avoir de patrouille la nuit dans son village. Et quand nous lui avons fait part de ça, il a ordonné à ce qu'on puisse commencer à faire la patrouille la nuit afin d'identifier tous ceux donc qui sont à l'auteur de ces actes-là.